Ce dimanche 8 janvier, Gérard Jugnot et son fils Arthur étaient les invités de l'émission Vivement Dimanche sur France 3. Le comédien s'est remémoré le grand bonheur de ses parents, Odette et André Jugnot, invités par Michel Drucker à un déjeuner au Grand Véfour, un prestigieux restaurant parisien. L'animateur a introduit « Je voulais absolument connaître tes parents. Ce jour-là, j'en ai beaucoup plus appris et j'ai compris que ça n'avait pas toujours été de la tarte. » Pour Odette et André Jugnot, être les convives de Michel Drucker était une consécration. L'interprète de Bernard Morin dans Les Bronzés a raconté, quand tu, NDRL, Michel Drucker, les avait appelés, tu étais tombé sur ma mère. Tu lui avais dit, bonjour, c'est Michel Drucker, je voudrais vous inviter pour une interview. L'acteur a poursuivi, ma mère, avait dit à, mon père, tiens, Michel Drucker a appelé pour nous inviter au restaurant. Mon père lui avait dit, ma pauvre bécasse, tu crois que Drucker va nous inviter? Tu avais été obligé de les rappeler. Supérieur à supérieur à mort de Jacques Perrin, Brigitte Macron, Gérard Jugnot, Macha Meryl réunis pour un dernier hommage aux Invalidés. C'était énorme, cette invitation a marqué un tournant dans la vie de Gérard Jugnot. L'acteur a expliqué, quand mon père a vu qu'on se tutoyait, là j'étais enfin. Lui qui avait beaucoup de doutes, c'était énorme. Odette et André Jugnot ont conservé pendant de longues années un agrandissement photo de cette émouvante rencontre. Arthur Jugnot a plaisanté, cette photo était dans leur appartement en très grand, plus grand que les photos de leurs petits-enfants. Un beau souvenir. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, France 3, Vivement Dimanche.